Gen longtemps n'a pas tiré attention l'État sous gros malais pendu qui gagne dans traitement ya bay Madan Sara yo. Mais jodi a un gros pas qui fait et nous n'a fait gens nous capables pour nous bay résultat. Mon cher l'État des efforts pour le faire toujours parce que depuis ou dit Madan Sara ou tout camper côte à côte avec secteur agricole là. Ça veut dire mosso nous bien-être Madan Sara de pour loin avec Jean Mouchel l'État traiter secteur agricole là. Par exemple, l'État doit aider nous qui dans agriculture produit assez manger pour tout petit pays à créer infrastructure agricole pour transport et puis conserver ça pour produire la caille nous. Manquer infrastructure, tout pour aider pour qu'on clair pour nous. Madan Sara a manqué joindre crédit et financement pour encourager plus plus dans faire production, nous arriver plus loin de zone yo ak l'autre yo. Pas gagne une loi cadre qui reconnaît et puis définit activité Madan Sara yo comme entrepreneur. Dans le secteur agricole là, faut activité Madan Sara yo professionnaliser pour plus confiance et encouragement. Faut Madan Sara yo connecter à l'autre association dans l'autre pays qui dans réunion. Faut vagabond sans foi ni loi suspend violer nous. Prends marchandise nous et puis fait nous payer gros l'argent mettre sous lit. Faut nous ka voyager tant que monde. Pour citer ça yo seulement, n'a profiter na occasion ça pour demander toute Madan Sara na pays rester solidaire une avec l'autre, pas cacher, pas faire silence. Les nous subis yon zak malhonnête. En connecté et puis solidaire yon ak l'autre. Yon ak l'autre. Problème yon, c'est problème l'autre. Pour nous dire merci à tout le monde qui fait bien, à tout le monde qui a pensé pour nous. Merci à toute institution, à tout le monde qui mettait yon d'accord que la situation nous pas arrêter comme ça. Et merci tout à tout artisan Ramsayo, richement Marie-Sonia, qui sacrifie, qui pas dormi, qui campait pour nous réaliser ça. Et les nous dit 2024, ça, c'est une solution. Nous payons bagaille qui pourrait être dans la bouche, mais nous tous devons gommer pour nous venir en réalité. Moi, garantis nous déjà, ma fête. Tout ça me capable, bon côté PAM, pour me porter résultat. Moi, je dis nous, moi, remets nous en pile. Haïti, pays nouant, belle des Antilles, Madan Sara, qui c'est poumon économie. Nous pas doué la déo seul. En nous kembeme à tout secteur pour nous dire, condition à vivre là, li pas bon. Nous besoin Haïti qui est là. Pour nous voyager n'importe l'heure sans qu'elle saute. Comme nous déjà dit, 2024 là, c'est année solution. On dit ensemble, vive Ramsa, qui c'est Rasanbleman Madan Sara d'Haïti. Vive garçon yo, qui c'est complémentaire mesdames yo. Vive femme yo, qui c'est la vie qui baille résultat. Vive Haïti, yon l'autre fois, vive Haïti. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe ce matin à la cérémonie d'inauguration de l'espace de fonctionnement de Ramsa. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vois l'accomplissement d'un tel projet qui vise à mettre les pleins projecteurs sur les initiatives, les succès, les préoccupations des Madan Sara. Cet espace de fonctionnement vise à valoriser et à accompagner les femmes Madan Sara qui travaillent dur sur tout le territoire national. Je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer l'engagement du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes de contribuer au renforcement de la résilience des Madan Sara et leur autonomisation par la promotion de leur activité génératrice de revenus et à appuyer leur développement socio-économique. Je voudrais également adresser mes plus sincères félicitations au gouvernement haïtien et à tous les partenaires de Ramsar pour avoir doté la dite organisation d'un espace de fonctionnement bien équipé. Et cette initiative est noble, nécessaire et utile pour apporter une contribution historique à la promotion des Madan Sara. En effet, c'est aussi l'occasion de mieux échanger, collaborer entre équipes et partager les idées avec une salle de réunion qui répondra à tous les besoins en termes de rencontres, dialogues, débats, conférences de presse et autres. C'est déjà un grand pas pour poser des actions dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, particulièrement les Madan Sara. La nécessité d'avoir un espace de fonctionnement comme bureau central pour les Madan Sara a été longuement pensée et voici aujourd'hui la concrétisation de ce grand rêve. Par ailleurs, les actions, les décisions et les messages véhiculés à travers ce bureau peuvent influencer, modifier ou renforcer les mœurs et les comportements sociaux et inciter les femmes à être au centre de toute activité visant la prévention des violences et leur protection à tous les niveaux. Je suis fière d'être associée ce matin à l'inauguration de ce local qui va dans le sens de l'une des missions du ministère dont je suis la titulaire, qui est de s'assurer de l'application des politiques d'initiative pour la promotion des droits des femmes et qui contribuera à nous aider aussi dans les actions d'éducation des populations pour diminuer les comportements sexistes et discriminatoires à l'égard des femmes. La tâche est colossale, mais je sais que la détermination et l'engagement de cette équipe est sans faille. Je vous rassure du support de mon ministère tout au long de cette aventure et cette bataille. Pour conclure, je présente encore aux membres du comité toutes mes félicitations. Soyez toujours dignes et reconnaissantes des combats que les femmes avant vous ont menés pour la protection des femmes, particulièrement les Madan Sara. Ouvrez à votre tour des portes pour d'autres femmes après vous. Vous devez toujours faire mieux, toujours faire plus, car les préjugés sont tenaces, les obstacles sont multiples et la route est tortueuse. Que cette récompense de ce matin décuple votre soif de servir notre pays en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que moteur du développement économique de la société haïtienne. Chapeau Babounou, mesdames, à toute l'équipe de Madan Sara, succès, courage et honneur.